Gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci de nous donner l'opportunité d'être en ta présence. L'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration est à toi, Seigneur. Merci de nous bénir ce soir par ta parole. Oui, nous prions, prions le Seigneur. Oui, nous prions, prions le Seigneur. Oui, nous prions, prions le Seigneur. Ô Jésus, notre roi, nous acclamons, le Seigneur. De tout notre cœur, de tout notre être. En vérité, nous sommes ce que nous sommes par sa pure grâce. Nous sommes ce que nous sommes par sa pure grâce. Que son nom soit béni. Amen. Veuillez vous asseoir et prenons nos Bibles. Prenons rapidement nos Bibles. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 12 que je vais lire. Romains chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, et vous tous qui nous suivez en ligne, que Dieu vous bénisse. Et principalement l'Église en ligne aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, et dans toutes les contrées, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'un thème important, un thème capital, intitulé « La prétention » depuis quelques semaines. On peut lever la tête si vous permettez. La prétention est définie comme avoir une très haute opinion de sa propre personne. Avoir une très haute opinion de sa personne, c'est aussi synonyme d'orgueil. Et la Bible dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La prétention peut nous priver de pas mal de choses, frères et sœurs.
On peut avoir de bonnes intentions, on peut avoir de très bonnes idées, mais si nous sommes prétentieux, si nous ne sommes pas humbles, ne sommes pas brisés, et que nous n'avons pas les valeurs spirituelles, les sentiments que notre Seigneur Jésus-Christ avait, c'est sûr et certain que malgré notre bonne intention, malgré les bonnes choses que nous pourrons avoir, nous passerons à côté de la plaque et nous ne serons pas utiles. Et c'est sûr et certain aussi qu'un prétentieux peut avoir le cœur net qu'il n'entrera pas dans le ciel. Frères, nous avons abordé ce sujet bientôt, 3 ou 4 semaines maintenant. Ce soir, je voudrais que nous allions dans un pan important. Notre thème ce soir, David, un modèle de modestie aujourd'hui. Le contraire de la prétention, c'est la modestie, c'est l'humilité. La simplicité, c'est la retenue. David, en la matière, est un modèle, c'est un exemple que nous pouvons imiter. Allons en 1 Samuel chapitre 17, si vous permettez, en 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, nous connaissons tous l'histoire. Allons verset 37. Allons verset 37. 1 Samuel 17, le verset 27. Samuel 17, le verset 27 nous dit ceci. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Le verset 37 nous dit aussi ceci. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va, après avoir prononcé une telle parole, va, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, soit avec toi. David, après avoir prononcé une telle parole, tu peux t'engager, tu peux t'avancer, tu peux t'aventurer. Le Dieu que tu as invoqué, il te délivrera. Frères et sœurs, en voyant l'histoire de David, c'est vrai que nous avons, le monde entier a parlé pendant des millénaires de David et Goliath. Ou Goliath et David, mais c'est bien dit, Goliath, David et Goliath. Dans cette histoire, vous savez tous que les Philistins avaient, ils avaient un homme qui venait et qui défiait toute l'armée d'Israël pendant 40 jours, dit la Bible. 40 jours, ça veut dire que tous les matins il vient, il se présente là et puis il commence à vociférer. Il dit des méchancetés contre Israël. Il est allé jusqu'à dire et envoyer un homme, si cet homme me bat, alors il a battu toute l'armée des Philistins. Et si moi je le bats, je le tue, alors j'ai battu toute l'armée d'Israël. Il a fait cela pendant 40 jours. Et c'est pratiquement à la fin des 40 jours que David est arrivé. Vous connaissez dans quelles conditions David est arrivé. Il a été envoyé par son père. Quand bien même, vous vous souvenez, on a parlé longuement de fond en comble de l'histoire de David. Comment David a été envoyé sur le front. Il n'avait pas été choisi. Il n'avait pas été coopté. Il n'avait pas été jugé utile. Il n'avait pas le profil selon ses parents. C'est bien que tu ne sois pas des hommes de la première heure. Mais l'Éternel te fera venir à la dernière heure parce qu'en vérité, Dieu veut, écoute-moi, Dieu veut faire de toi une solution. C'est pourquoi, vous savez, il y a des situations où le Seigneur n'a pas permis que tu sois au nombre des premiers.
La Bible même dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. David n'avait pas été choisi, il n'avait pas été coopté, David n'avait pas été associé. Ses frères avaient plus de profil que lui. Ils sont partis au front. Mais ils sont allés au front, ils n'ont rien apporté. Vous comprenez ce que je dis? Ils n'ont rien apporté. Et puis voilà le père de David qui s'appelle Isaïe. Il ne faut pas confondre avec Esaïe. Lui, il s'appelle Isaïe avec I, S-A-I-E, Isaïe. Il avait confiance dans tous ses fils sauf en David. David, dans ses psaumes, va révéler qu'en vérité, est-ce que son père l'a eu avec consentement, avec amour? David avait ce qu'on appelle en français le rejet. Il était rejeté, il était incompris, il était méprisé par ses propres frères et même par sa famille. Mais cela n'a pas amené David à faire quoi? À s'apitoyer sur lui. Vous savez, un homme peut te rejeter, mais t'apitoyer va te détruire toi-même. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les hommes peuvent ne pas te comprendre. Les hommes peuvent te rejeter. Mais si toi-même tu te rejettes et toi-même tu te méprises, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. David est arrivé et quand il arrive, voilà, il tombe sur une situation. Mais le comble dans cette histoire, c'est que les frères de David n'ont pas grand témoignage de David. Vous savez, vous pouvez être dans une famille et les gens ne connaissent rien de toi. Parce qu'en vérité, ils n'ont pas de considération pour toi. Parce qu'en vérité, quand ils te regardent, ils se demandent qu'est-ce qui peut sortir de toi qui est bon et qui peut édifier les autres. Qu'est-ce que tu peux apporter? Il y a des familles où même quand on demande la contribution des uns des autres, on ne demande même pas à certains. Ce n'est pas de toi que je parle. Toi, tu n'es jamais au nom de Dieu. Tu n'as pas d'histoire, donc quand on lève les mains, tu n'es pas obligé. On demande aux gens, apportez votre contribution, on arrive, non, c'est bon, toi, il faut garder pour ton transport, hein, ça va. Je suis convaincu que ton histoire va bouleverser l'histoire de ta maison. Parce que Dieu prend toujours les choses viles, les choses dépassées, les choses méprisées pour confondre ce qui semble sage. C'est ce que Dieu va faire. David arrive là, il demande aux gens, mais quel est ce monsieur? On dit, il s'appelle Goliath. Éloigne-toi, il est dangereux. C'est un habitué de guerre. Il est armé. C'est un djihadiste. Méfie-toi de lui, David. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'il parle contre Israël et contre le Dieu d'Israël? Regardez ce que ses frères vont dire, les dévanciers. Vous savez, il y a des gens qui viendront et quand vous allez commencer à dire certaines choses, ils disent, mais pourquoi est-ce que les gens prient pas? Non, c'est comme ça, on est habitué. Il leur a demandé, mais pourquoi est-ce que ce monsieur-là maudit le Dieu d'Israël? Ils ont dit, il faut le laisser. Qui t'a amené ici? Où tu as laissé le peu de moutons qui nous reste en famille? C'est papa qui t'a envoyé? Mais si papa t'a envoyé, écoute, fais la commission et retourne à la maison. On est habitué. Vous savez, il y a des gens qui s'habituent à ce à quoi on ne doit pas s'habituer. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Toi, ne t'habitue pas. Il faudrait que les données changent. Quelqu'un qui n'a pas d'avenir s'habitue à des choses à laquelle on ne doit pas s'habituer. Dis, ah, on est né, on a trouvé ça comme ça. Laissons ça comme ça, on va mourir, on va laisser. Non, toi, Dieu t'envoie comme un Joseph pour changer les donnes. Dis que ça change. Dis ça va changer. Sinon, à la fin, c'est comme si tu étais un avorton. Il y a des gens dans leur famille, ils sont comme des avortons. C'est-à-dire un enfant mort-né. Non, toi, tu as Jésus. Ce n'est pas toi-même, pas tes diplômes. Mais à cause de ce que tu as Christ, l'histoire va changer. Ce n'est pas ta taille qui est importante. C'est ce que tu transportes là. C'est ce qui va faire la différence. David arrive là, il pose la question, mais qui celui qui va tuer ce monsieur, on va lui donner quoi? Ils lui ont dit, ah, le roi dit qu'il va la franchir, il va franchir sa famille, il va faire ceci. Il allait vers quelqu'un, il lui dit, mais le roi dit quoi? Il s'est renseigné. Quand on lui a dit toutes ces choses, voyez, David n'était pas prétentieux. Son frère aîné l'a vu en orgueilleux, en imprétentieux. David a dit, je ne suis pas prétentieux. Grand frère, qu'est-ce que j'ai dit de mal?
son propre frère, devant une histoire de près de 5 à 10 000 personnes, son frère. Regarde, il peut arriver des situations où ceux qui vont te mépriser ne sont pas des étrangers. Ceux qui ne veulent pas de ta réussite, ceux qui ne veulent même pas te sentir, très souvent, ce n'est pas les gens qui sont très loin. C'est des gens de ta maison. Et Jésus a dit, ce sont les gens de ta maison qui vont te... Est-ce que cela veut dire qu'il faut avoir un sentiment de quoi? De vengeance? Un sentiment de suspicion? Non, pas du tout. De méfiance? Absolument pas. Mais il faut faire très attention. Il faut être sage. Amen. Alors, la parole que David va prononcer ici, c'est ce qui va nous intéresser. Voyez, le verset 37, la Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré. Ce verset montre que David n'avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'estime de soi. Il n'avait pas confiance en ses propres capacités. Vous savez, le prétentieux, il a confiance en ses capacités, en ses forces, en ses profils. David dit, l'Éternel Dieu, quand j'étais seul, j'étais avec les brebis, j'étais en brousse, quand tout le monde m'avait abandonné, l'Éternel est venu et il m'a donné la capacité et il m'a délivré de la gueule du lion et des pattes de l'ours. Ce Dieu qui a été fidèle dans le privé, il va démontrer sa fidélité devant tout le monde. Le Dieu qui t'a soutenu lorsque tu étais seul devant tout le monde, Dieu va démontrer que sa fidélité est illimitée. Que Dieu, il est le Dieu de fidélité d'éternité en éternité. Ce n'est pas devant tout le monde, le Dieu qui a été avec toi, ce n'est pas devant tout le monde qui va t'abandonner. Il ne va pas t'humilier, il ne va pas t'exposer. David dit à tous ces hommes, laissez-moi vous dire une chose, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, ce Dieu-là me délivrera de la main de ce Philistin. Vous savez, un prétentieux ne parle pas comme ça. Un prétentieux dira, ha 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 ha, vous savez, je crois que je suis arrivé, le combat va commencer maintenant, alléluia. Le combat va commencer, alléluia. Vous savez, j'ai déchiré ma kataya. J'ai déchiré la gueule d'un lion. Il a voulu s'attaquer à moi. Non, tu es un fou. Toi, tu peux déchirer la gueule d'un lion? Tu sais de quoi? Est-ce que tu t'entends parler? Tu es un prétentieux, un vil prétentieux. Vous savez, la prétention aveugle, la prétention aveugle, la prétention abrège, la prétention fait que le soleil s'obscurcit en plein midi sur ta vie. Un prétentieux, c'est celui qui croit être ce qui n'est pas. Il a une opinion très élevée de lui dans tous les domaines. C'est là que des jeunes filles pêchent très souvent. Ma beauté, pasteur, c'est vrai qu'on est un, mais il faut que de temps en temps, quand même on expose ce que le Seigneur nous a donné. Voyez un peu, pasteur, à qui tu parles? À qui tu parles? Tu as réfléchi là? Ta beauté, tu fais la honte de la communauté. On ne marie pas la beauté. Voici comment certaines jeunes filles prétentieuses sont restées célibataires jusqu'à un certain âge élevé. À quel moment tu vas te marier? Parce qu'à un certain âge, soyons honnêtes, hormis la grâce de Dieu, à un certain âge biologique, c'est fini. Tu ne peux pas faire d'enfant. Il faut la grâce de Dieu. Mais tu as repoussé des hommes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tomber sur le premier venu et l'épouser si tu ne l'aimes pas. Ça aussi, c'est un autre cas, c'est de la folie. Mais des gens même que tu as aimés, maintenant tu demandes leur salaire. Quand ils t'ont exposé le salaire, tu dis maintenant tu as quoi comme véhicule?
Quand il t'a montré son véhicule, tu dis, je n'aime pas une telle marque. Tu comprends ce que je veux dire là? Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tu es aveuglé. Peut-être c'est ton frère qui va t'épouser. C'est la prétention. La prétention te dit et te fait croire que toi, tu vas atteindre ton objectif. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les valeurs que tu as là ne mentent pas. J'ai tout ce qu'une femme, voyez un peu, j'ai tout ce qu'une femme peut avoir. Donc même, compris, bon, il faut qu'on prie, mais même s'il n'y a pas la prière, voyez un peu. Les hommes me courent derrière comme ça, je ne sais pas, comme des mouches. J'ai dit non, mais ça vient seulement. C'est vrai, un temps viendra où le Dieu des cieux va les délivrer. Ils sont aveuglés. Que Dieu les délivre à compter de cet instant. Et que quand tu passes, personne ne te remarque. Ne sois pas fier de ta beauté. La beauté est éphémère. Quelque chose peut arriver et puis on ne voit plus ta beauté. Ton nez qui semble être droit, mais qui en vérité n'est pas droit. Et c'est parce qu'on ne voit pas bien. Ton teint que tu es en train de travailler avec du savon, un temps viendra où même l'usine de ce savon là va tomber. La pommade sur laquelle tu comptes, un temps viendra où le fondateur, il est troublé, il mélange les produits. À cause de ta prétention, que le Dieu des cieux nous délivre tout de la prétention. Je n'entends pas ton amen orgueilleux. Ma beauté ne ment pas, c'est pareil pour des hommes. On parlait d'un frère tout dernièrement. Un frère de l'église, tu as l'argent. Mais tu vois toutes les jeunes filles en dessin animé. Non, et celle-là, ouh, non, pasteur, non, elle ne me plaît pas. Et celle-là, ouh, non, 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 ça ne me plaît pas. Et celle-là, non, bon, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon genre. Tu vois, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre. Pasteur, tu comprends un peu ce que je dis? Ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon genre. C'est l'orgueil qui fait ça. Ça, c'est l'orgueil, le neveu de l'orgueil qui est lui-là. Et à cause de la prétention, la dernière fille sur laquelle tu vas tomber, c'est la nièce directe de Jézabel qui va te pousser au suicide. Quand tu vois son apparence, tu te diras certainement que c'est celle-là qu'il me faut. En vérité, c'est selon tes conceptions que tu vas tomber sur. Vous savez, on tombe sur les femmes et sur les hommes très souvent en fonction de ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est une loi de correspondance. Quelque part. Tellement tu as trié. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tomber sur le... Non, mais quand même dans tout cela, il n'y a personne. Va au ciel, va prendre un ange. Il n'y a aucune femme qui correspond à ton goût. Aucun homme. Lèvez la tête tous. Je ne veux pas que quelqu'un baisse la tête, fait semblant. Vous savez, la prétention, c'est ce qui a fait précipiter Lucifer. Quand un homme est trop sûr de lui, méfiez-vous de lui. Il est dangereux pour sa propre vie, pour sa maison et pour son avenir. Méfiez-vous d'un homme prétentieux. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il sait tout d'avance. David, je vais souligner au moins sept choses tout à l'heure, rapidement. David, regardez, allons-y, pour gagner du temps, pour ne pas qu'on finisse hors du temps. Allons-y. La première chose qu'on voit David faire, il a mis sa confiance en Dieu. Le prétentieux fait semblant de mettre sa confiance en Dieu. Il ne met pas sa confiance en Dieu, même étant chrétien. Sa confiance n'est pas en Dieu, mais dans ses diplômes, dans ses capacités. Voyez ce que David dit. David dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion et de la proie de l'ours, c'est lui qui me délivrera de la main. Voyez, un homme, c'est pourquoi la confiance en soi. On voit un peu partout. Levez la tête, s'il vous plaît. Est-ce qu'un chrétien peut parler de confiance en soi?
Vous voyez pas que c'est de la psychologie, c'est un pan de l'évangile de prospérité, un évangile maçonnique. J'ai dit ça à une de nos chrétiennes ici, mal affermie, tordue. Elle dit, ah, papa parle de l'évangile de prospérité. Je répète, j'espère que tu veux mettre ton avenir derrière toi. Je suis responsable de tout ce que je dis ici. J'ai dit l'évangile de prospérité. Et heureusement que les pasteurs, les étudiants ont compris. Quand on parle de l'évangile de prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. L'argent est un grain des dents. L'évangile de prospérité banalise, avilit, sous-estime, animalise Jésus-Christ. Cet évangile enseigne que Jésus a reçu la nature de Satan en mourant à la croix. Qu'en vérité, Jésus a échoué à la croix et que c'est au séjour des morts en enfer, après avoir fait 3 jours, il a purgé la peine. Alors quand tu as toutes tes facultés en place, quand tu ne connais pas un évangile, quand on parle, il faut t'approcher pour dire ça veut dire quoi. Ça dit trop de choses. Ça ne parle pas seulement d'argent. Dès que quelqu'un a une petite ouverture, il croit qu'il est arrivé. David avait confiance en Dieu. Il n'avait pas confiance en lui-même. C'est pourquoi l'estime de soi est un pan de l'évangile de prospérité. Le développement de soi. Tu as quoi de bon en toi pour que tu mettes ta confiance en toi? Romains chapitre 7 dit, il n'y a rien de bon en moi, dans ma chair. Deuxième chose, David a fait de Dieu la source de sa force. Il n'avait pas de force propre en lui. Ne dis pas non, Dieu, soutiens ma force. Non, tu n'en as pas. C'est Dieu lui-même qui est ta force. C'est quelle force tu as que Dieu va soutenir? Tu n'as pas de force, tu n'as pas de capacité. Le Seigneur, notre Dieu, est notre force. Ça veut dire que ma force, je n'ai pas de force propre. David a fait de Dieu la source de sa force. C'est pourquoi il n'avait pas peur du Goliath, il n'avait pas peur du Philistin, il n'avait pas peur des esprits, il n'avait pas peur. Vous voyez, quand un chrétien a peur des sorciers, a peur des mystiques et des sociétés secrètes, il compte sur sa justice, sur sa sainteté et sa piété. Or, tu n'en as pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons accès au trône de Dieu, ce n'est pas notre sainteté propre à nous. C'est la sainteté de Jésus qui nous fait. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Tu as quelle sainteté? Même péché, tu dis tu ne fais plus là, tu sais que tu vas faire. Tu dis tu as pardonné, mais quand tu vois la personne, ton cœur sursaute, tu sais que tu n'as pas pardonné. C'est sa justice là qui fait qu'on peut avoir accès au trône de Dieu. C'est pourquoi le Christ lui-même dit en Jean chapitre 15, sans moi, on ne peut rien faire, on n'est rien. On ne peut même pas aller quelque part. Troisième chose, David a reconnu que tout n'est que grâce de Dieu. On peut prendre ce passage. Proverbes chapitre 3, verset 6. Le psaume 103, verset 8. Quelqu'un peut lire ça, si vous permettez. Quelqu'un peut lire ou je lis rapidement. Le psaume 103. Voyez, tout n'est que grâce. Frères et sœurs, c'est ce qu'il va faire. Nous parlons de quoi? David est modèle de modestie aujourd'hui. La modestie est le contraire de la prétention. Si réellement nous voulons être délivrés de la prétention, mes frères et sœurs, nous devons faire quoi? Nous devons savoir qu'en vérité, toute notre vie, regarde-moi ici un temps soit peu, regarde-moi, un temps soit peu, qu'en vérité, tout n'est que grâce. Ce que tu appelles ta beauté, c'est une grâce de Dieu qui te couvre. Si tu as la santé, c'est vrai. Que c'est vrai, tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela. Et il faut faire attention parce que quand on prend de l'âge, il faut faire attention à certains facteurs. L'huile, le sel, le sucre, ceci, cela. Mais en même temps, au-delà de tout ça, c'est la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, toi, tu as eu l'occasion de te marier, de rentrer dans un foyer, et c'est là-bas que tu es en train de bavarder,
ce n'est que la grâce de Dieu. Si on a enterré des gens qui étaient plus nantis, plus sages que toi, plus diplômés que toi, et toi tu es vivant, mais comme tu es vivant, le simple fait que Dieu t'ait laissé vivant, et André, il a eu tort. C'est maintenant que tu vas sortir les revendications. Dieu, je t'ai fait quoi? Et si tu étais mort, est-ce que toi, tu allais parler? En vérité, tout n'est que grâce. Tant qu'un homme ne voit pas cela, il est prétentieux. Vous savez, la modestie, c'est quoi? Savoir ce qu'on appelle la modération dans l'appréciation de soi. Modération dans l'appréciation de soi. Quand tu parles de toi, ne parle pas avec véhémence, avec des mesures, avec... Non! Et souvent par déformation, des gens qui ont eu un peu de diplôme dans le monde, quand ils viennent, mon frère, tu vas être avec les frères et vous allez balayer le temps. Pasteur, c'est pas si mes amis t'ont présenté, ils m'ont parlé de toi. Est-ce qu'ils vous ont parlé de moi un peu? On dit non. Bon, il faut dire que je vais me présenter brièvement. J'ai eu mon bac en 61 et d'aller où avec ton bac qui est devenu chiffon? On va où avec? Non, ça t'a pas choqué? On va où avec ton chiffon là? Regardez-moi dans les yeux. Quand on rentre ici, on dépose tous nos bagages là dehors. Quand on rentre ici, il y a un seul et unique maître. Il s'appelle Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes à ses pieds comme des serviteurs inutiles. Dis inutile. Parle bien. Dis inutile. Tu marches, on dirait un coquelé, quelqu'un qui a de la valeur. Tu as quelle valeur? Oui, vous avez servi de la bouillie, mais je ne prends pas de bouillie comme ça. Vous avez filtré? Et qui n'a qu'à filtrer pour toi? Tu as des parents ici qui doivent filtrer la bouillie pour toi? C'est-à-dire, l'attitude de certains, je ne sais pas si on va te rééduquer spirituellement parlant. Quand on vient, nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles. C'est-à-dire, en dehors de toi, Dieu va susciter des gens plus sages. David avait ce sens. C'est pourquoi la Bible dit de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu était la source de sa force. Dieu, il savait qu'en vérité, tout ce que lui David était, c'est par Dieu et Dieu seul. Comment il va être prétentieux? Il va jusqu'à dire l'Éternel est mort, le seul être humain qui a dit ça. Il dit l'Éternel est mon berger. Ça veut dire si l'Éternel entend le berger, c'est lui qui est un être humain. La brebis, hein? C'est un humain aussi. Il se met dans la peau de l'animal et il dit le Seigneur est humain. Le Seigneur, c'est lui qui est un être. Moi, je suis un animal et il me conduit dans de verts pâturages. David, c'est un modèle de modestie. C'est pourquoi il a percé. C'est pourquoi il a terrassé. Regarde, ce n'est pas par ta prière que tu vas terrasser des géants. Le problème est que Dieu regarde notre cœur. Tu peux prier beaucoup, mais tu es un orgueilleux. Tu crois, non, vous savez, je viens de passer 4 heures de prière. Alléluia, alléluia. On dit de prier, prie beaucoup. Mais tes 4 heures ne peuvent rien faire devant le démon. Quand vous allez atteindre un certain niveau, je vais vous enseigner quelque chose. Et je disais à quelqu'un tout à l'heure, à un pasteur qui a un niveau un peu élevé, je lui ai dit, tu sais, c'est pas ton obéissance là qui va t'amener au ciel. Ah, je vous ai dit. Ce n'est pas ton niveau. Toi, tu es dans cré-cré. C'est quelle obéissance. Regarde, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce que maintenant, toi, tu peux obéir. C'est quelle obéissance. Toi, tu étais païen, tu pouvais obéir.
Tu vois femme, tu ne peux pas laisser passer. Garçon, tu ne peux pas laisser passer. Tu mentais comme un menteur. Aujourd'hui, comment il a fait que ça fait 10 ans, tu n'es pas marié, tu ne touches pas de femme. Comment ça fait-il que avant toi, tu tirais sur tout. Aujourd'hui, tu es marié, tu ne connais qu'une seule femme. Toi, tu peux obéir? Non, il y a une force qui est derrière ton obéissance. Ton niveau n'est pas encore là. Mais ça va venir. Plus tu grandis, plus on te donne ce qui est fort. Sois béni. Quatrièmement. Voyez, on a parlé de toutes tes grâces. On a lu un passage. Pardonnez, lisons un passage. Oh Seigneur, aie pitié de nous, mon Dieu. Le psaume 103. Le verset combien? Nous dit quoi? Le psaume 103. Le psaume 103. Le verset combien? Le verset 8 nous dit ceci. L'Éternel est miséricordieux, c'est ça? Et compatissant. Là, la colère est riche en bonté. C'est vrai ou bien c'est faux? Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il est lent la colère, il est miséricordieux. En vérité, ce n'est pas sa miséricorde que nous sommes debout. Quand Dieu examine nos voies, vous, mes frères, mes sœurs et moi, quand Dieu examine nos voies, en vérité, qu'est-ce qui peut être en notre faveur? Qu'est-ce qui peut permettre à Dieu de dire qu'en vérité, celui-ci doit vivre demain? Chaque jour n'est que grâce pour nous. C'est pourquoi quelqu'un qui sait qu'il vit par grâce, en vérité, pourquoi est-ce qu'il peut se faire passer pour quelqu'un qui vit par lui-même? C'est comme tu suis quelqu'un, ça est arrivé, ce n'est pas une révélation. Tu suis quelqu'un, c'est lui qui fait tout pour toi. On se comprend? Ton transport, c'est lui qui paye. Ta nourriture, il y a des gens qui voyagent comme ça. Amen. Elle a dit, vous voyagez, mais celui-même que tu as dit, on voyage, il n'a rien sur lui. Vous arrivez à la gare et il dit, ah, mon ticket, il n'y a rien sur moi, hein. Tu payes son ticket. Il veut manger un petit pain sucré. Vraiment, grand frère, le pain sucré, là, il faut payer. Tu n'as pas 25 et il n'y a rien sur moi. Hein. Il a payé pain sucré là. Et il dit, vous mettez un peu de beurre dedans. Beurre. Il dit, beurre là, c'est 25. Vous mettez beurre dedans. Il dit, ah d'accord, ok. Mais grand frère, il faut que pain sucré là, va prendre ma gueule. Il faut payer là, sachet de lait, sachet d'eau, d'ivre. C'est-à-dire toi là. Tout n'est que miséricorde et grâce. En vérité, c'est comme ça, on suit Jésus. S'il n'a rien fait, on est fini. Souvent même, vous descendez. Tu as faim. Mais le grand frère l'a dit, lui, il n'a pas envie de manger. Et qu'il a la nausée. Tu pries dans ton cœur, Seigneur, délivre-le. Qu'il ait l'appétit. Nous, là, nous sommes dépendants de Jésus jusqu'au soir de notre vie. C'est pourquoi lui-même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'on est ensemble? Quatrième point. Quatrième point, avoir toujours une attitude de gratitude envers le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Quand vous avez ce sentiment de gratitude envers le Seigneur, frères et sœurs, la prétention ne peut pas pointer le nez dans votre cœur. Même si la prétention vient, surtout quand tu sais que tout n'est que grâce, et qu'en vérité, même ta santé, ce que tu appelles beauté, ce que tu appelles force, ce que tu appelles tout ce que tu as et ce que tu vis n'est que grâce. La grâce veut dire une faveur imméritée. Ça veut dire quelque chose que tu as. Tout ce que, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te comportes comme quelqu'un qui ne l'a pas reçu? En vérité, tout ce que nous avons, on l'a reçu. Tout, il n'y a rien qui soit de nous-mêmes. Un homme sage devrait pouvoir rendre grâce à Dieu. Même quand tu arrives à avaler ton crachat, il y a des gens qui sont hospitalisés parce qu'ils n'arrivent pas à avaler leur crachat. Rends grâce à Dieu pour tout.
Je t'ai pas entendu. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 11. C'est pourquoi la Bible dit « Tout genou doit fléchir devant Jésus. » Donc nous devons l'adoration et nous devons fléchir genou devant lui. Le cinquième point. Apprendre à voir les autres comme supérieurs à nous. Philippiens chapitre 2, verset 3. Quelqu'un lit ça à haute voix. Cinquième point. Philippiens chapitre 2, verset 3. Voyez, la meilleure façon d'être délivré. Et c'est ce que David aussi a vécu. David ne s'est pas senti supérieur. Il n'a pas dit, je suis un roi. Voyez, Dieu m'a choisi au-dessus de vous. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Voyez, dans l'église, levez la tête. Il arrive des fois où on a ce sentiment. Lève-toi, tu continues de lire. On a ce sentiment, on veut faire pour être vu des hommes. Non, dès l'instant où tout ce que tu fais, la motivation, c'est être vu des hommes. Ton service n'est plus valable. On ne fait rien pour être vu des gens. On est dans des zones, on est dans des départements, on est en train de servir le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle la saine émulation. Mais au-delà de la saine émulation, on ne fait rien pour être vu des gens. Regardez ce que la Bible dit. Oui, vas-y. Ou par vaine gloire. On peut faire des choses par vaine gloire. C'est-à-dire, je me lève, je me glorifie. Je veux qu'on m'acclame, je veux qu'on me célèbre. Je veux qu'on dise mon bon nom. Non, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. C'est quelle gloire tu cherches? Une sœur s'est levée ici un jour, il y a quelques années en arrière. Tout le monde avait fait l'offrande. Et le dirigeant qui parlait, il avait oublié son nom. Elle est venue sur la chaire, en plein culte. Donc moi, on ne dit pas mon nom. On ne dit pas mon nom. Ça a été le plus grand scandale cette année-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux dirigeants, si quelqu'un veut qu'on étale son nom, il faut dire tout son nom. Ah, voilà, Bouclo vient de donner 2 ignames avec un sachet de gnagnan. Et une tête de rat. C'est ça? Il dit oui, c'est ça. D'accord. Voilà ce qu'il vient de dire. Il vient de donner. Là, lui-même, il est content. Vous voyez, quand je fais quelque chose, je n'aime pas qu'on révèle. Mais bon, s'ils ont révélé, je vais faire mieux que ça. Méfiez-vous de telle personne. C'est un prétentieux. Le prétentieux, tout ce qu'il fait doit être su de tout le monde. Je vous ai parlé de cette famille. Ils m'ont fait un don il y a des années. Et ils ont dit à leur fils. Et leur fils est venu me voir. Ah, tonton. Nous, maman, les enfants, vous savez comment ils parlent. Nous, maman, dit qu'ils t'ont donné tant. Ils disent, qui t'a dit ça? Il dit, ah, c'est ma maman qui m'a dit ça. Il dit, ah oui, c'est vrai. Dis à ta maman, je lui dis merci, que je lui dis merci publiquement à l'église. Ça fait pas rire. Et c'est dans ça que des gens sont prétentieux. Il faut les révéler. Qu'est-ce que la Bible dit pour terminer? Mais que l'humilité vous fasse regarder. Que l'humilité vous fasse regarder. Les autres, pas parce qu'ils sont supérieurs, mais quand tu vois quelqu'un, ne le regarde pas de haut. Vois-le comme quelqu'un qui est supérieur à toi. Combien de nous pouvons faire ça? Soyons honnêtes, il ne faut pas dire amen vite, s'il te plaît. Il ne faut pas encore révéler ta prétention. Quand on se voit naturellement, les gens se mesurent en fonction de leur bien. À l'église, c'est comme ça. À l'église évangélique, protestante, c'est comme ça qu'on agit. On voit quelqu'un, ça va, on le salue du bout. Ça va bien, frère? Ça va bien? Ça va? Il tape sur ton épaule, ça va bien? Ça dit, la façon même de te saluer, il démontre qu'en vérité, tu n'es rien. Parce que lui, il a une voiture, parce que sa femme est tant, parce que lui étant, ils ont tant. Souvent même, ils n'ont pas voiture, mais il est plus orgueilleux que celui qui a voiture. Souvent même, il n'a rien, mais son orgueil, sa prétention est énorme. C'est nous qui avons commencé à écrire. Carola, c'est nous qui avons mis les 3 micros là. La dernière fois, je ne sais pas. Est-ce que le frère, il a essayé? Essayez, hein? Si ça ne va pas, je vais payer l'autre. Hein? C'est maintenant, on vient d'apprendre que c'est elle qui a payé les micros.
Papa, les chaises là, tu aimes ça bien? J'ai dit, quelle chaise? Chaise sur laquelle tu es assise. Hein? Chaise là? Eh oui, bon. Moi, quand je fais mes choses, je ne veux pas qu'on sache. C'est moi qui ai payé toutes les chaises. Hein? Tout ça, c'est moi qui ai payé tout ça. Mais moi, je suis très discret. Quand je fais quelque chose, je ne veux pas que l'on sache. Sinon, je fais beaucoup de choses dans l'église. Beaucoup. Je viens d'aider 4 sœurs, j'ai payé leur maison la dernière fois. Ce que je vous dis là, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Il y a quelque chose. Vous savez, la prétention nous détruit à petit feu. Vous savez, la prétention te conduit comme des maladies qui sont silencieuses. Ça dit, ça te conduit en enfer sans que tu ne saches ce qui t'a amené là-bas. Ce qui m'a déçu dans la vie d'un frère un jour, des sœurs, des frères lui ont demandé un service. Frère, tu peux faire ça? Un matin, lui, il avait un problème. Il est venu, il a étalé tout. Quand vous m'avez demandé service, là, je vous ai rendu. Et à votre tour, maintenant, personne ne peut me rendre service. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Les frères m'ont dit, ah, voilà, là, telle personne, voilà ce qu'elle est en train de dire. Elle dit ça. Laissez tomber. Ouais, c'est un problème de maturité. Normalement, quand vous rendez service, n'attendez pas que quelqu'un te rende service en retour. S'ils t'ont rendu service, c'est ça. Si c'est le cas là, mais moi je n'allais plus prêcher l'évangile. Des hommes que j'ai aidés par la grâce de Dieu, que le Seigneur a bénis au travers de ma vie, qui ont eu des milliards, d'autres ont eu des millions, d'autres ont fait tant, des gens que j'ai trouvés qui étaient sur le point de se suicider. Mais une fois j'ai compris qu'en vérité, ce n'est pas moi qui les ai rendus riches, c'est le Seigneur qui l'a fait. S'ils ont été ingrats, ils ont été ingrats envers le Seigneur. Certains ont voulu nous saisir l'école. Il y a une qui a failli frapper ma femme quand il partait. Aujourd'hui, il est mort dans la rue. Et c'est 2 jours après qu'on a retrouvé son corps. On a vécu des tragédies. Mais cela ne peut pas nous empêcher. Parce qu'en vérité, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. Ce n'est pas toi. Toi, tu as quoi pour parler aux gens? Quand tu comprends ça, tu es humble. Quand tu viens, qu'on te dit assieds-toi là. Quand on te dit non, dépose le micro. Quand on te dit non, tu ne vas plus jouer tel rôle, mais tu vas jouer ça, tu dis je suis au service du Seigneur. Mais les prétentieux, ils pensent qu'ils sont liés à un service, à un département. Vous m'enlevez là, j'ai fait quoi? Non, dites-moi, au nom de Dieu, je vous ai fait quoi? Vous m'enlevez dans ce département, je vous ai fait quoi? Il va connecter les gens. Allez demander au pasteur, si il fait quelque chose, il n'a qu'à me dire. Non, tu es prétentieux. Tu crois que tu es l'ombre de ce département ou de cette zone. J'ai fait une formation biblique, théologique et autres. Quand j'ai fini, on m'a affecté. Je prêchais. Je faisais tout par la grâce. Et mon maître de stage m'a nommé. J'étais le seul à avoir 19 et demi sur 20. Il a fermé, il a envoyé au directeur de l'institut. Arrivé là-bas, tout le collège des pasteurs se sont réunis. Ils ont dit, tu as donné quoi au monsieur? J'ai dit non. Ton maître de stage là, tu as fait quoi? J'ai dit non, j'ai rien fait. Mais le maître de stage, il me fait prier de 3h du matin à 8h. Je dors peu. Il n'y a pas l'eau. L'eau, comment on dit, eau courante. J'épuise l'eau de puits. Je lave les assiettes. Je fais tout ce qu'il me dit de faire. Il m'a éprouvé sévèrement. Donc les gens pensaient que c'était une note de complaisance. Mais quand ils m'ont affecté au service d'autres. Pour voir ce que je vais faire. Or, je prêchais. Je suis allé faire servir d'autres dans notre temple de près de 6000 personnes. Quand j'ai fini, on dit maintenant tu vas aller chez les trésoriers. On est allé, on a compté les offrandes. On veut voir jusqu'où, si réellement tu es un serviteur, c'est pas ce que tu fais et puis tu bavades là. Serviteur, tu es dans la main de Jésus. On t'envoie là, tu t'en vas. Mais c'est nous qui chantons. Qu'on dit, comment on chante ça? Chante fort. Mais ça, c'est la langue là qui dit ça. Dans la réalité, on est des prétentieux. Si tu manœuvres dans le département des chants, là je ne vais plus, hein, Seigneur. Par les chants, là, c'est ça, j'ai chanté jusqu'à ma mort. Que Dieu nous délivre ce soir. Lis et puis on va partir. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, bien qu'étant Dieu, il s'est mis dans la peau d'un serviteur qui lavait. En Israël, celui qui lave le pied des hommes, il est après le chien. C'est ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, quand on dit on est un, il marche comme ça. En tout cas, l'homme de Dieu, l'humilité a fini à un mois. Oh, l'humilité. On dit, ben, après le culte, il dit, bon, tu vas ranger les chaises là. Non, pasteur, il faut dire que, bon, les chaises, je suis venu avec mon garçon, le chauffeur. Oui, kangourou, oui, viens, vous allez ranger les chaises là. Oh, tout ça. Une soeur a fait ça ici. J'ai dit au pasteur, Zio, je ne veux plus voir cette dame-là faire quelque chose dans l'église. On dit d'aller laver les toilettes, de faire tant. Elle dit, elle fait venir sa servante. Abomination. C'est toi, Dieu, que, toi que Dieu a sauvé, que Dieu veut utiliser. Ta servante perdue, tordue, va mettre sa main. Même les toilettes sont sanctifiées. Que Dieu nous délivre de la prétention. On va se lever. David est l'homme selon le cœur de Dieu. On ne comprendra jamais pourquoi David, il est qualifié comme homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui était libéré, délivré de la prétention. Il dit, c'est pas moi. De moi-même, je ne suis pas capable. Le Dieu qui a fait ça, il fera ça dans ma vie. C'est Dieu. Il dit à Goliath, Dieu va te livrer entre mes mains. Il ne met jamais sa propre personne en exergue. Je peux faire ça. Je peux. Tu peux faire quoi? Toi et moi, on est dans le même bac. C'est pourquoi, voyez, je suis l'un des premiers prédicateurs à dire, cette affaire de mentor-là, ça va vous tuer. Vous et moi, on est dans le même bac. On est sous le mentoring de Jésus-Christ. Lève tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Délivre-nous de la prétention. Et donne-nous d'être modestes comme David, qui malgré, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu as fait au travers de lui, et continuer de s'humilier et de dire que de lui-même il n'est pas capable, que c'est toi qui es la source de sa force. Donne-nous, Seigneur, d'être délivrés de nous-mêmes. Car le plus grand obstacle que nous avons n'est pas ceux qui sont autour de nous, nous les démons, mais nous-mêmes, nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Délivre-nous de nous-mêmes, de notre égocentrisme, de ce que nous avons toujours eu foi dans nos capacités intellectuelles, physiques, morales. Mais donne-nous de comprendre qu'en vérité, sans toi, nous ne sommes rien. Et que nous devons avoir un sentiment, pas juste pour que les gens nous méprisent, mais quand je regarde mon frère et ma sœur, je dois avoir le sentiment dans mon cœur qu'il est supérieur à moi. Et je dois être prêt à le servir comme si je servais Jésus. Bénis-nous et délivre-nous pour ta gloire au nom de Jésus et nous disons amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.